C'est cet hymne national qui ouvre officiellement les activités de ce lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole ici au centre de Sande Matanda, connu sous le nom de Baskila. Cette activité a vécu à présence des autorités politico-administratives de la ville, des engins sanitaires ainsi qu'en présence des enfants accompagnés de leurs parents. Docteur Bernadette Siviholia, responsable du programme élargi de vaccination dans la division provinciale de santé d'EPES Butembo, indique que cette campagne vise à prévenir la pandémie de rougeole dont des centaines de cas sont signalés dans la ville de Butembo. Une campagne de vaccination qui fait suite à celle de 2018. C'est depuis, quand on était encore dans les années 70, il y avait beaucoup de cas de décès de rougeole qui étaient dus à la rougeole. Mais avec la création du programme élargi de vaccination vers 1976, on a mis en vogue beaucoup de campagnes de vaccination contre la rougeole. Et à ce temps-là, maintenant la rougeole avait disparu. Parce qu'avant de compter un enfant dans la famille, il fallait que l'enfant ait d'abord souffert de la rougeole pour le compter parmi les enfants de la famille. Maintenant, vers les années 2010, nous avons eu la résurgence des cas de rougeole dans le pays. Et nous avons eu maintenant des épidémies très 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 graves en 2018, 2019, 2020, 2021 aussi. Il y avait beaucoup de décès. Plus de 6 000 décès ont été recensés en RDC. Et c'est pour cela que la République a voulu qu'on puisse organiser une campagne de suivi en 2023 pour qu'on puisse vacciner tous les enfants au même moment dans tous les pays. Nous avons déjà trouvé dans notre zone, dans les deux zones santé de la ville de Butembo, nous avons plus de 150 échantillons qu'on a déjà prélevés chez les enfants pour avoir un Kinshasa suite à la suspicion toujours de la rougeole. Le président du Parlement d'enfants Butembo Lubero salue l'effectivité de cette campagne dans la ville. Il invite les autorités à la sécurisation des structures sanitaires pour permettre aux agents sanitaires de bien travailler. Nous tenons également à appeler toutes les autorités et la population du Nord Kivu à permettre un climat et une situation sécuritaire favorable pour l'atteinte des objectifs de cette campagne de vaccination, notamment celui d'atteindre sans discrimination aucune les 100% des enfants attendus pour ces activités durant les 5 jours comptés à partir d'aujourd'hui. Le maire de Butembo a pris part à cette activité. Celui-ci a invité tous les parents de la ville de Butembo à accompagner leurs enfants dans cette structure sanitaire pour les faire vacciner contre la rougeole. Nous encourageons tous les parents à travers la ville de Butembo de pouvoir accepter que leurs enfants soient vaccinés de 6 mois à 59 mois. Même dans les écoles, il y a des écoles maternelles. Nous avons dit que les directeurs, les enseignants puissent accepter que les enfants qui étudient dans leur milieu scolaire de pouvoir être vaccinés. Le commissaire supérieur principal a alors procédé au lancement officiel de cette campagne de vaccination contre la rougeole pour la DPS Butembo. À cette occasion, un enfant de 6 mois a reçu la vitamine A. Applaudissements. Ravie, cette mère de 6 enfants qui respecte la vaccination contre les épidémies promet accompagner ses enfants dans un délai bref. Cette campagne va durer 5 jours, débuter ce jeudi 18 mai. Ce processus ira jusqu'au lundi 22 mai. Pour la ville de Butembo, le PEV rassure que 884 500 doses sont disponibles.